Avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'inscrire afin de recevoir les notifications. Bonsoir tout le monde, je vais vous apprendre à comment débloquer le compte Google sur ce téléphone. Infinix Hot DTS, voilà. Comme ça. On peut se faire. Pour ce faire, nous allons mettre le téléphone en anglais et en chinois, bien sûr. Ici. On appuie ici. Voilà. On appuie ici. On clique ici. Avant d'abord, ça doit être connecté sur le compte Wi-Fi. Voilà, vous connectez sur un Wi-Fi pour ceux qui n'ont pas encore fait. Vous connectez sur Wi-Fi. Voilà, comme ça a déjà été connecté sur Wi-Fi, voilà pourquoi c'est venu ici automatiquement. On t'appuie là. Et tu as pu ignorer. Bonjour. Voilà. Une fois ignoré, appuyé, tu appuies ici. Non, quand ça vient ici, tu appuies ici. Voilà, ça va sortir là. Quand ça sort là, tu cherches ça. Comme ça. Et tu appuies ici. Non, on va faire ça. C'est pas comme ça. Alors si tu appuies ici, ça doit sortir comme ça. Tu appuies ici, voilà. Quand tu appuies ici, ça sort comme cela. Tu cherches ici, comme ça. Alors, une fois que ça sort ici, tu cherches le menu Phonis, voilà ici. Tu appuies Phonis. Ok, Phonis appuyé. Si Phonis appuyé, tu cherches sur Google. Voilà, tu cherches sur Google. Comme cela. Tu règles le langage. Tu enlèves en chinois, tu règles le langage, voilà, ici, tu mets par keyboard, ça dit vocal, tu maintiens ici toujours, tu mets dans keyboard, voilà, comme ça c'est en anglais maintenant, tu écris iOS, iOS Launcher, iOS Launcher. Ok, ne prends pas Play Store, tu cherches. Voilà, ici. Câble de chargeur. Ok, donc tu appuies le bleu. C'est simple, tu appuies le vert. Voilà, tu télécharges. Et comme moi, je l'ai déjà téléchargé, je rentre pas là. Bon, je cherche déjà ce que j'ai sauvegardé. Voilà, ce qui est déjà téléchargé. Sinon, on peut télécharger ensemble. On va télécharger ensemble. Voilà. Télécharger ensemble, comme ça. On suit le téléchargement. Voilà, moi, je l'ai déjà téléchargé une autre fois. Donc, je vais installer ce qui est téléchargé. On patiente un peu. Voilà, une fois le téléchargement fait, tu appuies ici, ça va l'ouvrir. Tu appuies là. Voilà, le téléphone va se débloquer automatiquement. Une fois que ça se débloque, tu cherches paramètres. Ici. La deuxième chose, c'est de mettre en anglais, voilà, en français bien sûr. Tu cherches à changer le langage, tu mets en français. Tu appuies ici, tu appuies plus. Tu cherches français, comme ça. Et tu prends français, tu passes en haut. Voilà, donc quand tu passes français en haut, mes sujets, c'est à bruit. Quand tu passes français en haut, ça vient automatiquement en français. Et alors, tu dois supprimer le code qui est sur le téléphone totalement pour que ça disparaisse. Là, tu viens là. Tu viens là encore. Tu cherches sécurité, voilà ici. Tu as pu épingler le cas ici. Une fois comme ça, tu mets ton code. Pardon, excusez. Tu mets ton code maintenant par défaut. Le code que tu veux. Comme ça. Ok. Le code par défaut a été enregistré. Le code par défaut a été enregistré. Donc, comme ça, tu viens en arrière maintenant.
tu redémarres le téléphone. Tu redémarres le téléphone comme ça. Tu as pu redémarrer. Ah, tu patientes un peu. Ah, donc tu laisses, ça s'allume. Ok, une fois ça vient ici, tu cherches. Il faut t'assurer. Excusez-moi, bruit. Mais il faut t'assurer qu'il y a une puce dessus. Voilà, il faut mettre une puce. Il faut mettre une puce. Ici, par exemple, j'ai mis une 4 SIM. Voilà, il faut mettre 4 SIM d'abord. J'ai mis une 4 SIM. Et s'il n'y avait pas les 4 SIM, j'allais continuer. Mais comme il y a 4 SIM, code du 4 SIM, c'est quoi? C'est 4 fois 0. Orange Côte d'Ivoire, bien sûr. Et j'appuie ici. Voilà, ici, on me demande code pour redémarrer l'appareil. Je mets Z comme ça. Voilà. La clé a disparu. Donc, je viens ici. Le téléphone a trouvé son propriétaire. Donc, tu viens là. Donc, tu cliques ici. Ok, une fois la clé vient. T'inquiète. Si la clé vient, t'inquiète. Tu dois chercher à appuyer. Attends, tu dois patienter. J'essaie toujours. On a un problème de connexion, donc, excusez. Mais il faut t'assurer d'avoir une connexion nécessaire. Voilà. Voilà l'installation de mise à jour. Tu as pu ne pas copier ici. Ne pas trop te fatiguer. Voilà, donc il faut appuyer, ça va venir ici. Le code que tu as mis sur le téléphone, c'est le code que tu copies ici maintenant. Voilà, le code accepté. 07-308-86-45-84. Voilà, donc tu ignores ici, comme ça. Donc j'avais problème de réseau, c'est pour cela que ça déconnecte, donc... Voilà, ici, à partir d'ici, vous connaissez déjà. Hein. Je vais débloquer tout à l'heure. Ah, non, il n'y a pas de code en haut ici. Ici, il n'y a pas de code. Alors, tu peux ignorer. Hein. Ignorer quand même. Ouais, tu peux ignorer aussi. C'est bon. Oui, ça va, merci. Tu as pas fait de grosses choses. Oui, c'est ça. Bien plus. Launcher comme ça. Voilà, tout est fini.